pour le retour. Voilà, on va l'appeler comme ça, le retour. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à vous dire. Vous expliquer du coup mon absence, enfin pourquoi. Enfin, vous en doutez, j'en avais parlé déjà dans les précédentes vidéos. Bon, on va commencer tout de suite. Hein. Alors, pourquoi l'absence des vidéos? Parce que ben, comme vous le savez, j'étais en BTS. Là, c'était mes examens, mes épreuves. Donc j'ai fini mes épreuves jeudi. Donc là vraiment les premiers week-ends, je ne savais pas s'il allait faire beau. Toi, qu'est-ce que tu me fais? Et donc voilà, il fait beau, alors on profite de ce temps pour sortir les motos avec, avec Nit. Et donc voilà, voilà un petit peu, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite promenade, tranquillou. Au bord de la côte. On n'avait pas trop envie de faire une balade super énorme, super grande. Donc on a choisi le bord de la côte, bah les balades qu'on fait habituellement. Hein. C'est vrai que quand il fait beau et que les conditions sont agréables, on passe par là. Qu'est-ce qu'il me veut? C'est vrai que ouais, comme je disais, quand les conditions sont agréables, le long de la côte, la mer et tout, ça apaise, ça apaise un peu. Donc voilà, par contre, donc voilà, on a passé un petit coup d'eau sur les meules, un petit coup d'eau sur les casques, et voilà, le tour est joué. Nous voilà partis, comme d'habitude. Hein. Dans notre petit secteur de Loire-Atlantique, voilà. Alors faut savoir que ma dernière vidéo, si je me souviens bien, je sais pas si je l'avais mise en ligne ou je sais même plus. J'avais parlé d'une vidéo karting. Du coup j'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper. C'est vrai que mon pote qui a fait le karting avec moi, il me relançait de temps en temps. Mais quand est-ce que tu la sors? Quand est-ce que tu la sors? J'ai pas encore attaqué le montage. Avec les examens et tout, enfin après j'aurais pu prendre le temps hein, mais bon j'ai pas eu le temps donc voilà mais je m'y attaquerai bientôt. Je pense que je vais faire cette vidéo là avant parce que bah voilà, pour expliquer un peu mon retour, expliquer un peu pourquoi les causes de l'absence. Justifier, voilà, je justifie un petit peu. Et voilà, alors faut savoir aussi que j'ai eu un accident de travail et je pouvais pas du tout conduire. C'est pour ça aussi que je prenais pas la moto et que je pouvais pas conduire. Donc voilà, j'ai eu un petit accident de travail, bon rien de bien méchant, hein. J'ai pas pu conduire ni même ma voiture. J'ai pas pu conduire parce que voilà, j'avais des vertiges dès que je conduisais. Faut savoir aussi que du coup il y aura cette vidéo, il y aura la vidéo karting prochainement. Je vais essayer de la faire avant la prochaine vidéo moto. Parce que le week-end du 21 mai, donc dans le week-end prochain, il me semble, si je dis pas de conneries, c'est le week-end prochain. On fera une balade, alors je sais plus le nom, les sourires du sourire du cœur, ou je sais plus du tout le nom, excusez-moi. Mais voilà, du coup c'est une balade qui fait Pornic, Saint-Nazaire-le-Croisic et le Croisic-Pornic. C'est 5 € par casque. C'est tout le monde peut venir à compter du moment où vous donnez 5 €. Je veux dire, il n'y a pas de fiche à ramener, de fiche d'inscription, tout ça. Et voilà, c'est l'argent est reversé à je sais plus le nom de l'association encore une fois. Donc voilà, mais c'est le 21 mai, voilà, je mettrai le lien sur mon Facebook. Donc si des fois il y en a qui veulent venir, qui connaissent et qui ne savaient pas, et que c'est dans leur coin, voilà, n'hésitez pas à venir. Et aussi, le mois de juin, il y aura une concentre.
à Saint-Père-en-Retz avec l'ASF, donc l'association. Non, ASR, l'association. Ou RSF. Non, RSF, ça fait moche. Non, enfin bref, les sidecars, l'association des sidecars français. Attends, association sidecars français. Bah, AS. ASF. Si, ça doit être ASF. Ça fait bizarre le nom. Je sais plus. Enfin bref, mais là par contre, donc là je vous ferai une vidéo, mais là par contre il fallait s'inscrire avant le 15 mai. Donc c'est lundi. Donc voilà. Voilà un petit peu les nouvelles. Alors que nous arrivons sur Saint-Michel. Regardez-moi cette vue les gens. Franchement là c'est une vue de ouf. Regardez ça. Vous trouvez pas que la vue est magnifique ? C'est là que je me dis que enfin, voilà la moto, tout ça, c'est un sacré avantage. Regarde où il est, ouais, c'est bon, il est derrière moi, mais ça va, ça le fait. Regardez, c'est génial comme route. Et la roche et tout, la plage. Regardez, c'est vraiment joli comme paysage. Avec ma petite moto, ma petite R6N. C'est vraiment magique. Super beau. Hop. On tombe une maintenant. Le stop le plus ridicule du monde. Voilà, c'est un stop, mais je sais pas trop. Alors voilà, vous avez vu un stop ridicule parce que on arrive à un stop et les gens qui arrivent de notre gauche ont un stop. Donc on sait pas qui a la priorité parce que c'est sur deux stops. C'est parfaitement débile. C'est parfaitement débile et insensé. Bon les amis, j'ai encore une nouvelle. Un peu débile mais une nouvelle. Alors, toute la route, la superbe route que j'avais dit que c'était une claque visuelle de Pornic à ici. J'ai pas lancé la GoPro. Comme un con. Voilà, donc là vous avez un aperçu de ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure on voit que ça, on est au bord de l'eau comme ça. Franchement c'est super joli. Et franchement je suis désolé. Mais du coup ça m'obligera à en refaire une. Donc je trouve ça drôle. Que ça m'obligera à en refaire une. Et j'espère que la prochaine on sera plusieurs. Donc voilà. Bon, la Vendée, il a dit. Faire un petit tour en Vendée. T'es prêt à aller en Vendée? T'es prêt à aller en Vendée? Voilà, on est en Vendée. Voilà, t'es en Vendée. Voilà, on est en Vendée. Ah non, on n'était pas en Vendée.
bienvenue en Vendée. Bienvenue en Vendée, bienvenue en Vendée. C'est bien, il l'a vu, il l'a vu, il l'a vu. Elles sont stylées ces routes. Eh franchement, la génialité des routes. L'enfoiré. Ah, il veut faire demi-tour. Ah non. Hein ? Je pense que la prochaine balade on prendra cette route là. Ouais, on prendra le Vendée avec lui, sera plus court. Ouais. Moitié décollé, le beau. Sur ce, j'espère que la vidéo vous plaira. Je compte en refaire beaucoup plus souvent des vidéos maintenant que j'ai plus de temps libre. Pour moi, j'ai plus d'euros à préparer, d'examen. Voilà, j'ai plus tout ça. Donc, franchement, ça va me permettre de refaire des vidéos, de m'occuper de la vidéo karting depuis le temps. Enfin, je m'attaque au montage. Et voilà, c'est tout pour cette balade, c'est tout pour aujourd'hui. Il me reste plus qu'à vous dire à plus YouTube, comme je dis dans toutes mes vidéos. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Comme d'habitude, le lien de la page Facebook est dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous laisse, à plus YouTube.